Salut Dans cette vidéo, je vais vous parler des déterminants possessifs, aussi appelés adjectifs possessifs en breton Vantet. Ces mots correspondent aux mots français mon, ma, mes, ton, ta, t etc. En breton vintais ces mots peuvent servir à la fois de possessifs et aussi pour la plupart de prononcer au dé avec certaines formes verbales. Nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Premier possessif, la première personne du singulier, en français mon, ma, mes. En vantais, ces possessifs se traduisent généralement par me, suivi de la mutation dite spirante dont nous parlerons plus tard. On dira ainsi me jo, mon cheval, mehar, mon chat, me auto, ma voiture, etc. À certains endroits, surtout en au vantais, le possessif me prend des formes particulières devant certaines consonnes. Il devient mem » devant b, mumbrir, mon frère, mön devant d, de", mundorn, ma main, mung devant le son g, mungavr, ma chèvre, et MEN devant le son JE, écrit G, et suivi de w i w e, -e i ou bien U. Exemple, men mon vin. Ces variantes se retrouvent en gros dans la moitié sud-est du pays Vantais, autrement dit en pays de Beau, dans le sud du pays d'Enbon, à Groix, à Belle-Île. En pays d'orée et en pays de Vannes, avec quelques petites zones où il semble qu'on ne les utilise pas. Après les prépositions i, c'est-à-dire dans, et de, c'est-à-dire en français à, en vanté classique, on trouve une version abrégée du possessif. On écrit donc imzi, dans ma maison, et demzat à mon père, par exemple mais je n'ai pratiquement jamais entendu ces formes à l'oral, il semble qu'on les utilise à Groix et à Gavre. Partout ailleurs, donc presque partout en vente, pour dire dans ma maison, on dira imezi ou bamezi et nombreuses variantes phonétiques, imezeuil, bameci, bemfri, etc. Et pour dire à mon père, on dira demezat variantes de mesat, de mesa, de merhat, etc. Possessif deuxième personne du singulier, en français ton ta et te. Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur les pronoms personnels, dans une grande partie du vingt-et, le tutoiement n'existe pas. Donc dans cette zone, on utilise le possessif qui signifie votre et vos que nous verrons tout à l'heure. Dans la zone où l'on tutoie, on trouve deux formes de possessif. « Te, qu'on peut écrire TA en orthographe unifiée, dans l'est du pays de Beau, c'est-à-dire à Nézin, à Saint-Alouestre, à La Chapelle-Neuve, à Plumelin, à Bignan, à Moustoirac, à Mauriac et à Colpeau. Te provoque la mutation adoucissante sur l'initiale du mot suivant. Mam »« te VAM, ta mère. Il est abrégé en T' devant un son voyelle. t'es Tepom. On utilise le possessif A à Groix, à belle dans le sud du pays d'Enbon, dans tout le pays d'Auray et de Vannes. A Édic, ce possessif se prononce e. En dehors de Groix et belle A est suivi de la mutation adoucissante quand il est possessif. Mam, avam ta mère. Il est généralement suivi de la mutation durcissante quand il est prononcé au Nous reparlerons de la mutation durcissante dans une autre vidéo. Exemple: jewelot voir Matuelou, je te verrai. A Groix, le possessif a est suivi des mutations durcissantes sauf b et m qui deviennent tous les deux f. Dans certains endroits, A prend une consonne de liaison au moins devant les voyelles. A devient as dans la région de Vannes, de Grandchamp à Radon et de Baden à Sulnac. As aveleu, tes pommes. Ha devient ha, -ha devant voyelles ou et e agrois Ha aveleu, tes pommes devient aussi ha au moins devant les voyelles à Belle-Île. Dans le reste de la zone où l'on utilise a, ah", il n'y a aucun changement devant voyelles. On dit a ah, à par exemple en pays d'Oré. Pour les communes du sud du Ouvente, comme Quibron, Sarzo, Surzur que j'ai laissé en blanc sur la carte, je n'ai pas ou pas assez de données. Possessif, troisième personne du singulier masculin équivalent de son, sa et c à lui en français. Partout on dit i écrit e en orthographe unifiée suivi de la mutation adoucissante. Car, igar, son chat, taat, date son père, etc. Possessif, troisième personne du singulier féminin. Équivalent de son, sa, c à elle en français. Partout en vantais, ce possessif se prononce i et s'écrit h-e en orthographe unifiée. Il provoque la mutation spirante dans la plupart des communes. Exception, à Guidel, j'ai entendu une locutrice faire des mutations durcissantes après i. din ITEN dans à elle. D'autres locuteurs de la commune font des mutations spirantes. Dans une partie du pays pour par exemple à un guignel, certains locuteurs font des mutations spirantes mais durcissent j, z, v, le, me, ne et re. Jo devient i-chaud, son cheval. Zout devient i-saut, ses vaches, etc. D'autres locuteurs de la même commune ne durcissent pas ces consonnes. Devant les voyelles, dans certains parlés, le i devient ih, ses i pommes. Je n'ai pas de données complètes sur ce phénomène, mais je l'ai relevé à Plélof, dans une partie d'Inguignel, un à Guidel, Kergrist, Kléguérec et Groy première personne du pluriel équivalent du français notre et nos plusieurs formes existent selon la zone nous allons voir avec deux cartes hom ou hum sans mutation on sans mutation on suivi de la mutation spirante de k seulement k devient h on suivi de la mutation spirante de k t et p k devient h t devient z p devient f dans les communes concernées or et on on est utilisé devant d t n h c apostrophe non issu de mutation et les voyelles sans changement sinon on utilise or qui provoque seulement la mutation spirante de k ne suivi de la mutation spirante K devient he, te devient the ou the, pe devient fe. Les articles er et un avec ni suffixé à la fin du groupe nominal. Pour le fonctionnement des articles, rapportez vous à la vidéo dédiée. Un et er qui se prononcent comme les articles, mais qui ne provoquent pas de mutation, sauf sur k qui devient he après er. « D'autres formes existent. À Sarzeau et Saint-Jean-Brévelay, le possessif est ON, mais je n'ai pas assez d'attestations pour savoir s'il est suivi de mutation ou non. »« À plaudrin le possessif est NON, suivi de mutation spirante des initiales K, T et P. » Deuxième personne du pluriel et forme de vouvoiement, en français « votre » et « vos ».« Il existe cinq variantes phonétiques. » Ho dans l'extrême nord du Bas « Hou à Sylfiac, Cléguérec, Sainte Brigitte et Groix, « O dans la majeure partie du pays pourlet à Mur et à la Trinité sur Zur, U à Baden, Plougumelen, Plaudrin et O dans tout le reste du pays Ventais. Toutes ces formes provoquent la mutation durcissante de l'initiale du mot suivant. Devant les voyelles, dans certaines zones, on a une lettre de liaison. O devient O dans tout le Bavantais et dans quelques communes du haut sur la frontière. Exemple O Havelau, Vaupom S de liaison dans l'est du haut où vos pommes Troisième personne du pluriel, équivalent du français leur et leur avec un S. Dans la majeure partie du pays Vantais, on dit ou. Dans quelques communes, par exemple dans la majeure partie du pays pour l on dit o. À Sauzon, en Belle-Île, et dans l'ouest de Groix, on dit ou. Dans l'est de Groix, on dit ho ». À et Plougoumelen, on dit U. À Saint-Jean-Brévelet, on dit OU ou bien U. Ces formes sont toujours suivies de la mutation spirante de l'initiale du mot suivant. Exemple Tut, Osut, leurs parents. Variante Osut, ou rute parc. FARC, leur chant variante ou varc etc concernant l'utilisation de ces possessifs comme prononcé au dé les règles sont assez compliquées car les pronoms ne sont pas toujours les mêmes selon le temps et le mode du verbe et éventuellement selon d'autres facteurs nous en parlerons dans d'autres vidéos